balance l'attaque. Bien. Zouang arrive en renfort, enfin. Vas-y, fais cette attaque. Bien. Voilà, deux d'un coup. Deux d'un coup, 1300 chacun. Il y a Missa qui arrive avec 10 000 hommes, casse bien les couilles. Kao Kao qui reste dans la porte de Oulao, quoi. Le gros con. Ah, d'autres des idées de merde comme ça. Salut. Oh, une ferme sur la route. Tiens, on va la détruire. Presque. Fait détruite. Ça c'est fait. Kaoxiu, mon grand Kaoxiu. Tiens, on va te repousser dans le feu. Ben voilà. Très bien. Allez, parfois, il faut savoir sacrifier quelques hommes, for the greater good. Voilà. En sacrifiant 97 hommes, je me suis évité de me faire bombarder de flèches. Ce qui m'aurait tué beaucoup plus de monde. Ça va. Oh putain, il y a besoin de reward là. Eh, hey, Missa! Putain, mais sérieux? Y'en a marre des pétards mouillés là. Tiens, vas-y, Wanyo. Ok, Wang Kwang. Pas de temps à perdre avec vous, j'ai. Exécuter. Salut Mengo. Viens par là, toi. Bon Dieu, bon Dieu.
Ridicule. Ridicule, mon petit. Chen Liu va se faire broyer le cul. Et ce sera bien mérité. Zhuge Liang de l'armée de Chengdi. Des renforts depuis Luoyang. Non mais... Ça suffit les conneries quoi. Zhangfei qui vient de forcer un duel avec Missa. Ok. Ok, ok, ok. Alors ça va être un duel de gros build quand même. Allez, je me fous en attaque pour le moment. Ah, il y a Zhangfei aussi. Un petit peu. Vas-y, un dernier petit coup là. Merci Missa. Allez tiens, prends mon mezou dans la gueule. Et voilà. Missa prisonnière. Évidemment, elle veut pas venir. Je veux la foutre en prison. Darling. Genre les pensées de Missa quoi, c'est Sanji. Ça va, t'es pas morte. Mec, il reste 3 soldats quoi. Ah, Mengo capturé. Ah, je vais le mettre en prison, je vais essayer de le choper. Il arrive lui. Je sortirai les troupes au dernier moment, ça sert à rien.
c'est pas avec sa petite tour de cul qu'il va faire grand chose. Il est pas mal lui, je vais le garder en prisonnier. Ouais, par contre, va falloir rentrer à Liu Yang les gars, qu'on perde pas nos prisonniers. Ou... Ouais, si, à Liu Yang, parce que la porte de Hangu elle est plus à moi de toute façon. Merci Yan Liang et Wen Shu, quelle bonne team. Bon bah il reste plus que Sun Guan avec ses 145 hommes, je crois qu'on peut dire qu'on a gagné cette défense. Hein. C'est bon, t'as plus de soldats à m'envoyer? Ça y est? Bien! Ouais, il avait mis ça en face. C'était quand même quelque chose. Puis bon, c'était Zhang Fei plus Zhang Yue. C'était 2 contre 1 quand même. Kaoxiu, un membre de la famille Kao. Allez, je te laisse une chance de venir. Je te laisse une chance de tourner le dos à ta famille et de survivre. Et bah crève. Hop là, Kaoxiu est mort. Pires qui sont à la bourre. Ah si, continue à m'envoyer des troupes. Xuang, casse-toi. Direct, tu vas à Liu Yang, tu cherches pas. Parce que là, Jiaxu, il a essayé de récupérer un petit peu les prisonniers, là. Qu'on peut dire officiellement que le siège ennemi est terminé. Il ne reste plus qu'à reprendre la porte de Hangu. Et il va y avoir enfin un petit peu de paix à Liu Yang.
Ruben, bonsoir. Refaire une partie contre Champac, peut-être bien un jour. Étant donné que Champac va revenir sur Rushfort, je vais peut-être avoir la possibilité de refaire des parties avec lui. Et si on fait ça sous forme de live, il y a moyen. Pas sous forme de let's play, parce que c'est beaucoup trop long, mais sous forme de live, ouais, c'est jouable. C'est beaucoup plus drôle aussi. Par contre, le truc avec Champax, c'est que on a fait des parties ensemble déjà de notre côté très souvent. Et le truc, c'est que quand on est en guerre, on se maintient mutuellement en échec tout le temps, quoi. C'est genre des guerres qui peuvent durer presque indéfiniment. On s'était fait des batailles tellement mortelles. Ok, c'est bon, on est à Luoyang avec les prisonniers. Donc, Missa. Ah, je peux pas encore, mais Mengo apparemment. Hein. Mengo, y'a moyen. Genre si j'envoie Liu Fu. On va essayer. Hein. Mais c'est lui qui a les prisonniers. Ah fuck, c'est pas Xuang. Merde, ça craint ça. Oh, ça craint. Ça va peut-être tenir un tour de plus, mais... C'est beau si Missa arrivait encore à s'échapper à cause de ça, du coup. En face de Champax, c'est sûr. Quand même comme le roi du Nanman alors que non quoi. Attends.
Allez, Shen Yu est à moi. Alors, Liang Gang. Non. Lukian. Non. Kinmi. Non. Jangan. Non. Allez, hop. Tout le monde est mort. Mais qu'est-ce que t'as, toi, avec ta tour, là? Hein? Qu'est-ce que t'as? Ah, faut arrêter les conneries maintenant. Ça va, Yé, ça va. Ah, mais c'est qu'il essaye encore en fait, Dongzo. Putain, vraiment, ça me casse les couilles ce mec. Bon, c'est bon, je vais pouvoir garder mes prisonniers du coup. Ben, c'est juste que je trouve quand même le jeu sympa. Je m'ennuie pas vraiment, hein. Sinon je le ferais pas. Ça donne que j'ai contre-attaqué, j'ai pris Chen Liu et donc Zhou continuait plus ou moins à m'attaquer. Ah mais... Ah, ça a l'air de bien s'amuser à Wan apparemment. Ah, maintenant on a droit à cette musique. Xu Chang apparemment. Bon, ils sont 25 000. Faut arrêter. Merde, ça fait wait. Pas suffisant. Oh, Dianwei, excellent. Allez, prisonnier. Avec un peu de chance,
J'arriverai à le recruter. Faudrait être bien développé de Shen Yu et je pense qu'il va falloir commencer à attaquer Dongzhuo, genre à Chang'an et tout. Parce qu'il est vraiment chiant. Il est vraiment trop chiant ce mec. Attends, on va se faire son Qian déjà. Il va falloir développer Chen Yu. Faudra peut-être mettre des troupes à Guandu aussi. On verra ça plus tard. Chen Yu. Ah oui, d'accord, ok. Il y a déjà un Mint et Market. On va continuer là-dessus. Très bien.
confirme que va vraiment falloir attaquer Dongzhu. Il est trop casse-couille. Chen Yu. Ils veulent le conserver. J'ai toujours des troupes prêtes à les accueillir après, hein. Bon. Je suis quand même en assaut permanent. Faut dire aussi, Liu Yang, c'est vraiment un terrain facile à défendre. Y a pas que le facteur IA en fait qui m'a fait gagner à Liu Yang. C'est surtout que c'est vraiment le terrain où t'es tranquille, quoi. Ça aurait été sur un autre terrain, je pense que j'aurais pas gardé la ville. Se branler les couilles ici, un peu d'inspection les mecs. Allez, s'il vous plaît, que je capture Cao Cao. Ah, il a réussi à s'enfuir le bâtard. Thank you.
Sérieusement en loyauté. Jack, oui, je peux l'avoir. Ils voient bien que leurs réserves sont quasiment à sec et ils préviennent au moment où ils ont plus rien, quoi. C'est vraiment cool. N'est-ce pas? Wookie de l'armée de Sunjian, qu'est-ce que tu veux? Des renforts? Non! Ouais, là, ça fout de donner des renforts. Bon, on va se calmer, hein. Putain! Sérieux, là? Ok, vous m'allez chercher. Yeah.
Oh, Sungwan, toi, tu m'as bien emmerdé. Ouais, bah, je t'exécute. Ça te prendra. Tu m'as beaucoup trop emmerdé. Lee Jue qui arrive avec 14 000 hommes, ça, c'est moyen, par contre. J'ai deux trucs en Spears S. À nous deux, on est plus nombreux. Peut-être moyen de faire quelque chose. Peut-être. Non, on va pas reconstruire derrière parce qu'ils vont tout leur détruire de toute façon. Fait chier par contre parce que s'ils arrivent à prendre la porte, ils vont reprendre Missa. C'est donc Zuo qui va peut-être la récupérer vu qu'elle est capturée à la porte de Hangu. Après, faut qu'il arrive à reprendre la porte, mais. Parce qu'elle a plus beaucoup de PV ni rien. Est-ce que je peux envoyer des unités? Je vais essayer d'envoyer de la cavalerie là-bas. Oui, pendant le duel. Le duel contre Zhangfei. Comme j'ai gagné le duel, ça l'a capturé du coup.
Bah ça c'est une bonne question. Si le son est pas top, il faut que je règle ça. Mais... Après si t'entends pas trop ma voix, c'est peut-être le cas pour tout le monde. Oh, ils ont pris Guadou. K.O.K.O. C'est un peu le son du jeu. Mais bon, elle a plus beaucoup d'HP, donc faut faire gaffe quand même. Je vais pas dire que ce soit totalement à l'abri. Ce sera tout pour ce tour, je pense. Ah non, faut vraiment que Yé fasse des inspections. C'est l'or que j'ai passé. 56 000 en or! Ah ouais, yé, en même temps, c'est... C'est une bonne ville, mais putain! Les mecs! Des gros boursiers, quoi!
Waouh. Si un jour je manque de fric, je sais où aller en chercher. Ah oui, avec ça on peut voler de la bouffe avec les Spears. Un peu plus de portée avec le, avec l'arc. C'est bien ça. Mais Sun Jian a l'air de faire bien mal là. Ah ouais. Sun Jian il commence à rouler un peu sur Dongzhuo là. Il sera dangereux lui plus tard, Sun Jian. Comme toujours, tu me diras. Avec plus qu'à 75, elle veut toujours pas se faire recruter. Par contre au combat. Pas que... Ouais, il y a que ça, hein, quand même. Genre j'y vais avec Gongsunzu et Xuang et c'est bon. Ok, là il est en feu, il est confus, ça sent le foin pour lui. Thank you.
Salut Daft. Ça a marché, putain! Alors il faut savoir une chose dans ce jeu, c'est que quand le personnage est confus et qu'il est dans les flammes en même temps, si vous lui balancez une tactique dans la gueule derrière, le mec il a de fortes chances de crever, surtout si votre officier est puissant en war. Et ben c'est ce qui vient de se passer, je viens de tuer Cao Cao dans les flammes. Voilà. Il est mort dans cette charge héroïque de Mei San Yang. Ah ça c'est beau ça. Ça c'est beau de voir ça. Cao Cao, the sovereign of Cao Cao's army is dead. C'est beau. Franchement, c'est beau. Cao Wang lui succède. Eh ben, le moins bon que son père. Bon courage à lui. Cao Hong, ça aurait été vrai, ça aurait été tellement drôle si ça avait été Cao Hong. Merde, j'aurais pu attaquer. Bon, Chang'an, de toute façon, bientôt, je m'occupe de son cœur. Puis ça va peut-être calmer un petit peu l'armée de Cao Cao, enfin de Cao Wang du coup maintenant. D'avoir perdu leur seigneur là. Ils vont peut-être se calmer un peu les petits connards. Bravo, bravo, Sigomar. T'as vu ce qui s'est passé du coup ou pas? Parce que c'était quand même beau. Ce mec qui est là depuis une heure et qui dit rien, quoi. Ce Sigomar, quoi. Je regarde pas assez la minimap, comment ça? Quel est le problème avec la minimap? Bravo, bravo. Le mec, il se paye comme avec Sakura hier, quoi. Ah oui, ça faisait plusieurs mois, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, je fais pas trop gaffe, c'est vrai, à la minimap. Je me concentre surtout sur mes trucs à moi, en fait. Après, je compte sur vous, les viewers, pour me dire ce qui se passe. Voilà. Parce que la minimap, moi... je m'en fous. Le père Seimer, c'est tellement beau de voir ça.
Mais waouh, quand même. Alors j'aurais tendance à dire que c'est peut-être une opportunité d'attaquer Xu Chang, tout ça, mais je préférerais me concentrer sur Chang'an en fait. Je préfère m'étendre sur l'ouest plutôt que de trop me diriger vers le sud. J'ai vu ce que ça a donné la dernière fois quand j'ai essayé de prendre Wan, je l'ai pas gardé longtemps, j'ai perdu des ressources pour rien. Donc ouais, non, on va plus se concentrer sur Chang'an. Ce sera bien difficile à tenir déjà, Chang'an. Mais il faut ce qu'il faut. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec l'autre, Daft. La porte de Wu. La porte de Wu. C'est où la porte de Wu? Ah ça! Ouais non. Ils vont me faire chier si je la prends. Ils vont vouloir la reprendre tout le temps et je vais passer mon temps à essayer de la défendre. Je préfère qu'ils la gardent pour le moment. J'ai fait le recrutement ici, je crois. Je vais pas le faire deux fois parce que mon order va baisser trop vite sinon. Putain, mais il essaye encore! Non, mais arrêtez les mecs, c'est bon. Votre seigneur est mort. Soyez en deuil un peu, je sais pas. Ils veulent venger Cao Cao, quoi. À défaut de venger Cao Hong. Genre, 130 hommes près. Arrêtez Gao Shun, il va nous faire chier. Qu'il allait refuser. Trop peur de Guan Yu, quoi. Même à 2 contre 1, ils ont peur. Vous avez bien fait de refuser. Je ferais sûrement péter la gueule sinon. Putain, mais je vais pas y arriver à la garder, c'est tout. Ah, Liu Feng est majeur. Mei Mei est majeur. Dai est dans la merde. Junkin a réussi à se barrer. Yo Wai avance sur Liu, sur Chen Yu. Putain, ils veulent vraiment récupérer Chen Yu, les mecs. Parce qu'en fait, Cao Cao a échoué dans la vengeance de Cao Hong et maintenant Cao Hong doit venger et Cao Hong et Cao Cao. Genre les trucs de réalité alternative, ils s'en souviennent, on sait pas comment. Thank you.
Ça fait mal, hein, Gao Shun. Ouais, je te plains. Ouais, ils sont un peu désespérés, j'avoue. Putain, mais ils sont déjà là. En plus, ils sont vraiment cons parce qu'ils envoient leurs troupes, genre, vraiment séparément, quoi. Mais les mecs, en plus, ils envoient juste un bélier à part. Non, mais les gars, faut arrêter. Faut arrêter d'être cons à un moment. Bon, bah... Merde. Le bélier... ah ouais, d'accord. Bon. On va y aller avec des spears alors. C'est vrai que je commence à manquer de matos dans cette ville par contre. Faut vraiment que je commence à en produire. Genre des chevaux, faut que j'en refasse. Des chevaux. Bon, des spears du coup derrière. L'inspection. Ah, Kaowang a sorti ses jouets. Vous êtes ici, vous êtes en avance. Ouais, c'est ça quoi. Les mecs. Genre, mais Aimée, elle est pas loyale du tout. C'est une meuf comme ça. 84 en loyauté. Thank you! Bravo. Bon, allez, tour suivant. De faire une attaque par le feu là. Ouais. J'aurais pas dû essayer, c'est useless quoi. On va laisser quelques troupes ainsi que de la bouffe. Et on y retourne! Stupide comme stratégie, mais en même temps Kaowang et quoi, moins bon que son père. Hein. Oda Rikimaru qui veut tenter une attaque ou ils veulent juste s'occuper de Wan? Fier de ton attaque inutile sur la porte, mon grand. Alors, ce qui va te mettre, mon Suzanne. De flèches.
que je fasse des searches un peu partout. Ah oui, vous êtes encore là, vous. Bon bah allez à Luoyang. Jiangwen. Donc Kai. Il veut pas venir. Maliang, blanc sourcil. Ah. Ok, bon bah ça va se faire sur un débat. Ouais, mais bon. Wang Xiang, quoi. C'est carrément moins bon. Tellement aucune chance dans ce débat. Il balance de la logique, il a plus de time. Super. Logique. Ah, je vais renew. Putain. Putain, mais... J'ai jamais vu autant d'ex-echo à la suite. S'énerve tous les deux. Ça fait quoi les cools déjà? Inferius. Ok. Et je peux renouer à l'infini. Ah bah non! C'est qu'il m'a piqué ma rage en fait. Ah, c'est de la merde ça. Bon bah je suis mort. Viens comme il faut là. Putain, mais Missa 67 en loyauté, et non, toujours pas. La meuf la plus irrecrutable du monde. Le mec il meurt d'une crise cardiaque pendant la débat. C'est ça quoi. Le gros con. Le mec il s'est tué sur moi. Mei Mei nous a trahis et a rejoint l'armée de Dongzhou. What the fuck? Elle est sérieuse?
sens. Zhangfei est où? Il est à la porte de Hangu ou... On voit que Zinkai, c'est sa sœur. Elle a autant de, elle a un peu plus de charisme déjà. Ah là là, c'est bonne femme, je vous jure. Ah mais ça, c'est la putain de tête de mule. Tu vois pourquoi elle meurt au Kessen 2 maintenant? Ouais. Salope quoi. Meuf, elle rejoint donc Zuo, c'est chaud. Bon, on va pouvoir attaquer Chang'an pour de bon maintenant. Je vais rassembler mes hommes, je vais prendre suffisamment de bouffe, tout ce qu'il faut. Je vais peut-être demander un transport du coup depuis Ye. Parce que c'est des putains de boursiers, 74 000, toujours plus quoi. Allez, transport. Ouais, bon, Xiaokyo. Niveau matos, ça va. On va balancer des troupes au passage. Moins que ça, quand même, les troupes. 25 000, ça fera l'affaire. Pff, 15 000 en or, ça ira. Surtout de la bouffe, ouais. Faire avant ce transport. Next turn. Thank you.
Ouais, Guan Yu. Guan Yu, tu ferais mieux de rentrer. N'empêche que Lobu, il est toujours vivant. Hein. Et si j'arrivais à inciter Lobu à déclarer son indépendance, parce qu'il est vice-roi en plus, ce mec. Faut que je fasse depuis une ville qui a plus de fric. Mais qui a des bons stratèges. Ils sont même pas mal boursiers eux aussi, avec 38 000 en or. Stratégie. C'est ça, collaborate. Loubou. Faut que j'arrive à baisser sa loyauté en fait. Donc, balancer des rumeurs. Il est à Chengdu apparemment. Ça va être chaud. C'est pas grave. Oh putain. Bah ça y est, Missa a réussi à s'enfuir. Xinkai n'a pas réussi à convaincre sa sœur. Allez, c'est chiant, j'aurais bien voulu la recruter, mais la meuf a 60 ans en loyauté, elle veut toujours pas venir, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire à ce niveau-là? Ce qu'il y a, c'est qu'en plus, Missa, c'est la meuf qui arrive à coup de 10 000 à chaque fois niveau soldat. Reward. Il va se calmer Chengdu par contre. Hein. Sanji. Putain, mais faut que je fasse gaffe parce que je perds des HP là. À Chengdu. Si ça continue, ils vont réussir à me la prendre quand même. Bon, on va sortir plus d'unités.
les Sword. Quel con. Au prochain tour, j'aurai plus d'officiers dispo et je pourrai faire quelque chose. S'évader aussi. L'armée de Dongzuo. Ah, ils veulent que je relâche Jiaxu. Non. L'armée de Chengi. Des renforts depuis Luoyang. Stop! Pourquoi toujours Luoyang en plus? Zutai éventuellement un stratège. Ouais, sans Liang. Elle est en bourrine. Non, mais y a plus de Spears. Ouais, mais j'ai des. J'ai des albardes, ça va. Ça nous emmerdait, lui. En fait, il est en train de se tuer sur la porte tout seul, je crois. Faut que j'arrête de recruter, il faudrait surtout... Ouais, on va faire de la cavalerie. De toute façon, j'ai 25 000 hommes de plus, pas trop besoin de recruter du coup. Bon, et eux, ils me cassent les couilles. Ah ouais, non, ils vous envoient juste Yanxin. Putain, mais en plus ils ont de la volonté parce qu'à chaque fois ils envoient des troupes depuis Shushun quoi. Ils pourraient m'envoyer des troupes depuis Xuchang mais non. Shushun c'est plus loin, c'est mieux. Après Xuchang ils sont un peu à court et puis ils s'occupaient surtout de Wan je crois. Thank you.
que mine de rien, ils arrivent bien petit à petit à me saper mes défenses. Spécial à faire. Ah. Ouais. Et ça. C'est la loyauté qui rentre pas trop vite en plus. Des inspections alliées quand même parce que ils ont un peu de mal quand même. Petit dans les... Tienkai est mort. Lydian, putain, mais lâchez-moi un peu. Des assauts constants, hein, les mecs. Hein. Ils me lâchent pas. Bon appétit, bonne soirée, Daft.
Ah ouais, ils en sont rendus là. Ils ont tellement plus de matos qu'ils attaquent avec des swords, les mecs de Dongzhou. Enfin, au niveau de Wan, du moins. Zhu Gejin, tu veux recruter un mec qui s'appelle Jiang Ji. Ok. Bon là c'est un peu plus équilibré déjà. Je suis un peu en dessous mais c'est déjà mieux. Ça ignore moi. Eh bah décidément. Ok, là il va sûrement me baiser la gueule, sauf si je renew. À ce moment-là, vaut mieux que je s'étale. Time. Allez, je m'énerve. Je suis en cool. Ok, c'est bien ça. Ferme ta gueule. Piquer sa rage. Bim. Dans les dents. Si c'est pour faire de l'ex-écho, ça sert à rien. Ça c'est bien. Ferme ta gueule. Du logique alors qu'on est en fact. Bon, je peux tenter le time 3 du coup. Alors on passe en time, mais il a du bon time le mec, je l'ignore.
Je réunion. Ferme ta gueule. Gagné. Oh, c'était un bon débat. Tu te crois malin, Lydienne? Tu te crois malin? Je résistais à la crise cardiaque. Grand homme. En fait, ils essaient totalement d'ignorer mes unités, quoi. Ils veulent juste attaquer la ville. Le reste n'a pas d'importance. De façon effrontée. Ok, c'est parti, on va pouvoir attaquer. Toutes mes unités sont dispo. C'est drillé, c'est... Ouais, bah tout est nickel, on peut y aller. On peut y aller. Voilà, déjà. Ce qu'on va faire, c'est plus que ça. Déjà, Guan Yu. Non, toi tu vas avec des... Spears. J'ai beaucoup de bouffe dans cette ville là du coup. Ouais, puis avec tout le fric que j'ai de toute façon. Donc je pense que ouais, faut prévoir un maximum de bouffe. Donc on va y aller avec 200 et ce sera pas de trop. Donc avec des spears. C'est parti. Ensuite. Mais sans Yang, tu vas aller en Pikes. C'est parti. Zhuang. En Pikes aussi. De la cavalerie parce qu'on a toujours pas là. Ah, c'est Quen Shui et Yan Liang
Ils sont là en fait, je pense. Attends, tu vois. Ouais, il y a Zhangfei et compagnie qui sont là. Et Wenshu. Faudrait qu'ils bougent. Bon, ils viendront en renfort plus tard, j'imagine, mais. C'est vrai que ça aurait été bien qu'ils soient là dès le départ. Je peux envoyer de la weaponerie un peu. Plus des tours là pour le coup. Putain, mais ces mecs qui m'ignorent, quoi. Sérieux quoi? J'ai vraiment des gros problèmes de loyauté en fait ou comment ça se passe? Ah ouais, faut que je fasse gaffe. Ils ont dû saper la loyauté des officiers de cette porte. Oh là là. Putain, Wenshu quoi. Intelligent, hein. Il a Wang Yi avec. Ouais, d'accord. Wang Yi qui a 82 en intelligence.
zombies. Ending. Allez va voir. Duel. Je comprends pas comment on peut vouloir à ce point-là récupérer une ville. Un assaut constant, quoi. Fuck you. Ouais, c'est un peu ça quoi. Se passer pour les piéger. Hmm.
vaut mieux à mon avis. Vu qu'ils sont cons, ils vont passer, c'est clair et net. Et là, ils seront bien baisés là.